Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour ce, je réfléchis, 11e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband saison 3. Et donc, je vous avais laissé la dernière fois, on avait fait de la grosse merde au château de Rainy, et du coup il fallait qu'on se refasse un peu, parce que là on s'est fait défoncer plusieurs fois, c'était pas cool. Tiens, on peut appeler Cléty, mais Cléty tu sers à rien, donc du coup voilà. Je te montais ton agilité, tiens, je monte ton athlétisme. Tu sais courir, tu sais te faire taper dessus aussi, je trouve ça très drôle. On va laisser ça comme ça, on va laisser ça comme ça. Il faut qu'on récupère des unités, là, on a besoin de masse unité. On va aller chez les Rodoks parce qu'on a plus de sergent Rodok et on a vu que ça faisait vraiment des gros dégâts. Ça faisait vraiment des très gros dégâts. Mais par contre, il faut aussi qu'on se méfie un peu. Il y a des bandits, on va s'en occuper. Ok, qui sont? Ouf, ils sont en face. Ah, c'est des bandits, hein. Je m'étais fait bien défoncer dans l'épisode précédent, j'ai bien l'intention de prendre ma revanche prochainement. Aïe, oui. Mais bon, déjà, il faut que on refasse un petit peu, parce que là, je les ai attaqués, on n'était pas assez. On était tout simplement pas assez, on n'avait pas assez d'avantages de combat. Il faut qu'on soit plus. Il faut qu'on soit plus. C'est plus qu'une vérité. C'est. Je sais pas. J'arriverai pas à finir ma phrase. C'est dommage. je sais plus ce que je voulais dire. Bon. Si. Il faut que je récupère des unités. Il faut qu'on. Si je veux attaquer tout seul le royaume des Nords, tout ça, le royaume des Vaegir, vu qu'il y a les deux qui nous ont attaqué, hein, il faut que je. Que je m'en occupe, enfin il faut que je fasse une grosse armée, sinon ça passera jamais. Yay! Voilà. Sinon ça passera jamais, donc il faut vraiment que je m'occupe de faire une putain de méga armée. On va récupérer des trucs, voilà. Oh, il va falloir que je récupère de la bouffe. Il faut que je récupère de la bouffe. Hop. On va passer du coup à une grosse ville. Au passage. Hey, oh, Sarimich, tu veux? Voilà. On est combien? C'est pas ça que je voulais faire. Bon, hop. Alors, attendez. Ils ont pas d'argent. Voilà, on va payer un peu d'argent. Enfin, un peu de bouffe. On va passer à Veluca, Veluca. Il y a plein de soldats qui sont prêts à être promus. On s'en charge. Toc, plein de troupiers saranides. Non, c'est Kergit, homme d'armes. Troupiers, tirailleurs. Lanciers. On va faire plein de lanciers parce qu'il nous faut des sergents Rodok. Parce que ça fait quand même très très mal. Place du marché, marchand bien. Du panem. Je veux juste regarder un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de la guerre. Ça a l'air de tenir. Donc on sait que on a les Vaegir qui nous attaquent et les Nords. Ce qui est quand même pas de bol. Mais ce qu'il faudrait vraiment, c'est qu'on chope un château, genre le château d'Aringot. Histoire de virer un petit peu le château de Karaf, le château de Jameyed. Faudrait qu'on chope cela, histoire d'éviter d'avoir des trucs bleus au milieu des trucs verts, voilà. Groupe, on est à 88 sur 123, donc non, pas tout de suite. On va d'abord récupérer des unités. Il m'en faut pas mal, voilà. Ouais, paf, 9000. Personne ne veut me rejoindre. Ça pue! Ok. Je vais juste passer du coup voir le côté du château d'Aringot, voir s'il y a beaucoup de monde. Parce que s'il n'y a pas grand chose. Ah, 162 plus 24, c'est quand même pas mal, sachant qu'il y a 38 sergents Rodok. Pas rien. Pas rien du tout. Ah, ils ont récupéré Emirim ? Parce qu'il y a plein de trucs qui se passent là actuellement, mais
Ah non, ça a l'air d'aller. Je regarde un peu. Ah mais là, c'est la Swadi. C'est la Swadi. On va faire le tour, récupérer des unités. On est à 99. Ok, des unités qui peuvent être améliorées, oui. Toc, des lanciers entraînés, c'est bien. Je veux plein de sergents Rodok. Je veux ma sergent. Ok. On bouge. On bouge, on bouge. Et ensuite, on va pouvoir attaquer correctement les armées adverses. C'est n'importe quoi. Il se passe de bordel. Il se passe un bordel. Mais ça rejoint beaucoup le royaume des Nords, moi, je trouve, hein. Pourtant, ce qu'il faudrait, c'est que les gens y rejoignent le royaume des Rodoks. Vu qu'on est en train de tout grappiller là. Il serait peut-être temps qu'ils réfléchissent un minimum. Donc là, on doit avoir voilà, des upgrades. Lanciers entraînés. Des lanciers, voilà. J'ai envie d'attaquer le château parce que là, on a autant. À peu près autant. Château d'Aringot, 162 plus 24. Ah, je me tâte, je me tâte, je me tâte. J'ai pas envie que ça refasse comme la dernière fois, mais c'est pas les mêmes genres de château, je crois. Bon, bah, si j'ai le château. Hein. Ah, une tour de siège. Ah, d'accord, c'est une château. C'est un château à coup de tour de siège. 54 heures, on en a pour un petit bout de temps. Pêche-mi, bah, du coup, en attendant, je regardais un petit peu ce qui se passe autour. Il y a l'air de rien avoir de spécial actuellement. Ouais, ça a l'air d'aller, ça a l'air de pas trop bouger, ce qui est cool. Donc ça devrait aller, j'espère. On va bien voir. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va ben, mener nos soldats à l'attaque. Je regardais un petit peu ce qu'avait écrit. Il avait écrit pas mal de fois que. On a 0 avantage de combat. Venez m'aider à pousser. Il avait écrit pas mal de fois qu'on gagnait des combats, du coup c'est cool. Bon, alors, ok, on va pouvoir attendre un petit peu. Parce que là, on n'est pas prêt de réussir à passer. Du coup, on va attendre un peu. Allez, ça y est, c'est parti. C'est pas terrible, hein. J'ai eu beaucoup, beaucoup de blessés. Je pense que je vais avoir besoin de renfort dans pas longtemps. Voilà. Et moi aussi, je me prends des coups. Parce qu'ils sont quand même vachement précis, je trouve. Enfin, vraiment que je me chope un bouclier, je pense. Aïe, mais c'est bon, casse-toi. Tu me fais chier. Voilà, 6 points de dégâts. Je suis déjà quasiment mort. Et voilà, c'est reparti pour le meilleur passage du monde. Je peux rien faire. Mais comment ça je me prends des coups? Ah, il y a le côté. Et je suis. C'est incroyable. Avant j'y arrivais très bien. Et là, non. Mais t'es sérieux, 16 points de dégâts? Vache. Ah mais non, c'est bon, moi je me casse. Hein. Les mecs sont, je sais pas, ils sont devenus soudain hyper forts. Avant je me tapais du 3 contre 1, ça passait tranquillou. Là. Non. Ça passe plus. Ok, d'accord. Je me casse. Je me casse totalement. Parce que ça craint. Ça craint du boudin. On va aller voir ailleurs si on y est. Parce que là, ça pue. Oh là là, mais je prends tellement cher. Ah, et j'ai plus de bouffe. Déjà. Ah, ça va bien 2 secondes, mais là, la bouffe qui parle tellement, qui part tellement vite. Prendre de la bière, tiens. De toute façon, j'ai plein de thunes.
Ça passe bien. Ok. Il faudrait que je fasse des trucs. Que je chope des châteaux, que je fasse, que je me bouge un peu les fesses. D'accord. Ouais, Clétie, à la limite, je m'en fous. Clétie, à la limite, je m'en fous. Si elle veut se barrer, elle peut se barrer. Mais bon, c'est toujours quelqu'un de plus. Oui, je suis un peu embêté. Hein. Je suis même très embêté. Parce que si je suis plus capable de gérer des assauts sur des châteaux tout seul, bah, ça va pas aller, hein. Action style, non, c'est pas très intéressant. Quoique. On peut piller le village et le raser tranquillou. Le truc, c'est que là, il reste encore 160 Pékins dans le château. Ce qui est quand même beaucoup. 50 deniers. Oula, par contre, ils ont des trucs, hein. La bouffe en prums. Genre, j'ai assez d'espace. Plutôt cool. Ils ont 60 Pékins ici. On va voir du côté du château de Jamied. En passant, je vais récupérer 2-3 unités. Ah, 160 Pékins aussi ici. Ça m'embête terriblement. Place du marché. Ce que je vais faire, c'est vendre les trucs qui ne se mangent pas. Ça se mange pas, ça se mange pas, ça se mange pas. Voilà. 3000 deniers. Ouais, 3000 deniers. Je pense que je peux récupérer des trucs, hein, parce que sinon, voilà. Voilà. La laine, ça se mange pas. Les peaux, ça se mange pas. Ok. On va virer 2-3 petits canassons parce que ça prend de la place. Ah, et 1800 deniers. Ok. Tiens, on va finir par vendre ça à quelqu'un, ça serait cool. Est-ce qu'il n'y a pas des meilleures armures? 54 plus 20, 54 plus 16. Ah ouais. Ah, elle est bien celle-là. En plus, elle pèse moins lourd. 41 000 deniers. Ah, eh d'accord. Ah d'accord, ah d'accord. Plus 42, plus 55. Non, je crois que les casques, j'ai mieux. Y a pas un boubou? Ah, ça doit être peut-être dans les armes. Ouais, boubou. Impossible d'utiliser à dos de cheval. Ok. Je vais prendre un boubou. Un petit boubou, histoire d'arrêter de me prendre des flèches dans tous les sens, parce que c'est débile. Voilà, Gérésbourg, il y a une prison fortifiée, ok. Et là, je suis embêté. Je suis très embêté, parce que je ne sais pas trop quoi faire. Parce que j'ai beaucoup de gens. C'est un fait. J'ai beaucoup, beaucoup d'hommes armés. J'ai pas beaucoup de super unités. Hop. Voilà. J'ai pas beaucoup de super unités. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas de trucs rodog dans tous les sens. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'en récupère. Mais aussi, il faudrait. Ils ont récupéré le château de Rennie. Ok. Il faudrait que je chope des châteaux. Ah, celui-là, c'est déjà plus faisable. C'est déjà plus faisable. Et je vais voir ce qu'il y a dedans. Et il n'y a pas de sergent Rodoxy. Ah, il y en a 21. Ouais, bon. Allez, on va essayer de se le faire. Voir si ça passe cette fois. Ils sont à peu près autant que nous. Ah, il y a une campagne militaire? Ouais, bon. On va déjà essayer ça. Alors, le boubou.
Voilà, c'est déjà bien. Par contre, vous pouvez lever vos boucliers, ceux qui en ont. Hein. Quoi? Quoi, tu te fous de ma gueule? Il est tout petit, ce bouclier, en fait. C'est bien la peine d'avoir acheté une armure à 41 000 deniers pour se prendre des coups directos. Allez, cassez-vous. C'est moi qui attaque. Aïe! C'était une mauvaise idée. C'était totalement une mauvaise idée. Hashtag la pire et la mauvaise idée du monde. Quoi? Tu m'expliques? D'où il venait ce... Ah, de là! Wouah! C'était une très mauvaise idée ce que j'ai fait. Oh la vache. Bon, ok, on va abandonner le siège, on va aller rejoindre la super armée du Gugus, parce que là, on fait de la merde, on fait une bouse intersidérale. Je comprends pas, parce qu'avant, on y arrivait très très bien tranquillou, mais alors là, c'est fini. C'est fini. Alors, note, compte Talbar, il est où? Il est très près de Uskal. Pas à côté. Y'a personne là? Ils sont peut-être par là. Si je sais pas où ils sont. Royaume des Rodok et Vaigi ont fait la paix. Ok. Quelqu'un, arrêtez. Mais je veux récupérer. Où est le Gugus? Où est le comte Talbar machin là? Comte Mathéas. Merde. Non mais pourquoi il veut pas? Ah, ça y est. J'ai quelque chose à vous demander. Où est le comte Talbar? Uskal, d'accord. Mais il était à Uskal. Bon, ok. Je pue la merde. Je pue totalement la merde. Où y es-tu? Se rendre au château. Dis-moi que t'es là. Kandursun, non, non, t'es pas là. Awesome. Alors. Près de l'India. L'India, l'India, l'India qui est... Il est là. Ok, de la thune. Comte Talbar. Alors, bon, ok, faut le suivre. Oula. Ok, voilà l'armée. On est beaucoup. On est vraiment beaucoup. Par contre, je sais pas du tout où est-ce qu'ils veulent aller. Ah, wow, il s'est passé quoi? C'est toi? Ouais, t'es toi là-bas. Ils se sont dispersés. Alors, il me demande une tâche qui est...
Non, pas le bétail, j'en ai marre. Je veux pas du bétail, je veux assiéger le château. Ils sont en train de l'assiéger. Qu'est-ce que tu en veux? Non, je veux pas trouver de détails. Les soldats sont prêts à être promus, ok. Alors, cavalier Saranide. Ah là là. En espérant qu'on va y arriver, cette fois-ci on est 200, voire on est beaucoup plus que 200 sur le château. J'espère qu'on va y arriver. Allez, c'est parti. Allez, go! Ok, c'est le même type de château. On a... Mais comment ça... Oh la vache. J'arrive, je me prends 2 de dégâts. Boum. Mes gens se font assommer tout de suite. Il s'est passé quoi là? Attendez. Niveau de difficulté 22%. Ouais, c'était le même niveau de difficulté qu'avant. Il s'est passé quoi? J'ai monté d'un niveau qui a fait que la difficulté elle a monté toute seule ou un truc comme ça? Parce que là, comment dire? Je me fais un peu avoir. Alors. Oh la vache. C'est bon, les boucliers, j'en ai marre. Arrêtez d'utiliser des boucliers. Et arrêtez de vous foutre devant moi, parce que du coup, je peux pas taper. Bande de crétins. Voilà. Oh la vache. Faut qu'on descende là parce que là on n'y arrivera jamais. Hein. Alors. Mais comment ça, j'ai pas pu toucher. Hitbox foireuse. Quoi, mais... Je vois rien, je comprends rien. Je suis en train de rager comme un fou. T'as une hampe de javelot sur le côté, toi. Niveau 31, ouais. Voilà. Du mal hein. C'est des pauvres châteaux quand même et on réussit à avoir un mal de chien. Ça va le nombre d'arbalétriers? Comment ça je t'ai pas tué? Oh. Pourquoi je suis tout seul? Vous pouvez descendre, hein. Je suis sûr qu'on va se taper un spawn là encore. Oh la vache. J'ai des jolis branquignoles et en face ils sont tout de suite plus forts, je comprends pas trop.
Voilà, ça y est. Pouf! C'est fait. Ok, il est à nous. Il est à nous, on va pouvoir upgrader des unités. Et voilà, j'espère que ça va arrêter cette. Hartenheimer, cette tactique, d'accord? Non, pas équipement. Tactique, d'accord. J'ai pas encore assez, bon, c'est pas grave. Donc je disais, j'espère que ça va arrêter cette série de merde. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Autre chose. Ouais, compétences perso, on s'en fout. J'espère que ça va arrêter cette saloperie de suite de fail en tout genre. Mathilde. Toc. Parce que là, c'était pas glorieux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On a un moral qui est pas officiel non plus. Inventaire, ça va, j'ai assez de bouffe. Ok. Ah oui, bah oui, je viens de monter de level là. sens du commandement, toujours pas, étant donné que c'est la racine carrée du. Je sais plus si c'est la racine carrée de. C'est indexé sur le charisme en tout cas. C'est indexé sur le charisme, mais je sais plus comment. Ok, qu'est-ce que je peux mettre? Ah, attendez, on va faire ça comme ça. J'ai les premiers secours, le soin des blessures et le pillage. Bah ok. Non, pas ça non plus. Qu'est-ce que je fais? Premiers secours, soin des blessures et le pillage. Ouais, mais ça c'est tout au max. Nyeh. Ok. D'accord. On va monter le bouclier parce que là sinon je pense que je vais en avoir besoin. Voilà, je pense qu'on va arrêter là l'épisode parce que j'en ai un peu marre de tous ces fails. J'espère que ça va aller mieux à partir de maintenant. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura quand même plu malgré les nombreux fails. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien.